Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sanakagura Burst Renewal. Continuons de nouveau l'émission libre. Alors je ne pense pas que ce sera le dernier épisode de mission libre, puisque nous avons regardé l'émission qui nous restait à faire et on a deux missions où nous devons combattre des 5 filles d'Anzo, ces deux-là. Donc, j'avais dit que je me mettrais en facile histoire d'aller vite, mais quand même, je pense que ce sera assez long. Donc, on commence par ça, et je pense qu'on terminera là-dessus. Donc, ces trois-là seront dans un épisode après, sûrement. Et en plus, il y a le dossier top secret. Et ben, ça veut dire qu'on va récupérer tous les dossiers top secret pour cet épisode après ce truc-là. Donc, on va recevoir deux trophées, normalement. Le pêchant, vous arriverez... Eh ben... On va prendre Asuka. Je crois que ça fait longtemps que j'ai pas prise. Ou Katsuragi... Non, Katsuragi, je l'ai prise au dernier épisode, donc on va prendre Asuka. Alors, il y a donc un ennemi spécial à combattre ici. J'adore cette attaque d'Asuka. Hop. Comme ça elle enchaîne tout le monde. C'est beaucoup plus simple. Hop. Alors, l'élève sombre. Toujours pas. Ça sera peut-être un peu plus long. Moi j'utilise le R2 à chaque fois directement. C'est plus rapide comme ça. Il est là les F sont là. Enfin les F sont bons. C'est des Yoma en fait. Rude bataille. Et attention. Hop. Alors je pense que ce sera à la fin de l'épisode alors qu'on le recevra. Enfin à la fin de l'épisode, à la fin du niveau. Si tu te crois la plus rapide, eh ben non.
Voilà. C'est lui qui connaît la vérité. Il ne me reste plus que un seul trophée à avoir dans ce jeu, c'est celui de terminer toutes les missions libres. Et c'est ce qu'on va faire de ce pas. Alors... Eh ben on va prendre Omura. Putain, Omura, ce nom il est stylé, franchement. Limite 1 minute 30. Ah, oui, moi, ou moi, ça doit le faire. Franchement, il est stylé ce nom. C'est l'air flamme, hein, tout simplement, pour ceux qui. Ah, pas vraiment japonais. Je connais quelques mots, je ne parle pas non plus, hein. Et je connais la signification de certains mots. Ça fait appeler sa fille Flamme. C'est pas plus con qu'appeler sa fille Fleur, en fait. C'est... voilà. Il y a des gens qui s'appellent Fleur. Alors pourquoi pas quelqu'un qui s'appelle Flamme. C'est tout? Bon bah, c'était rapide. Je pensais qu'il y aurait eu une suite, mais non. Alors, donc là j'ai dit que je prenais Rin, vu que la dernière fois il y avait eu un combat Asuka Omura, j'avais pris Daidoji, là je prends Rin. Ah non, oh, c'est une limite de temps. Je me sens pas les battre en difficile en 2 minutes. On va le faire en simple, histoire d'aller vite. Si je vois que c'est vraiment hyper simple. On va dire que s'il me reste 1 minute 30 après les avoir combattus, ça veut dire que j'aurais pu gagner. Putain, je voulais pas lui laisser le temps de se transformer. Voilà, c'est déjà 1 minute 30. Donc imaginez en difficile. Ça aurait pas été possible de gagner. Wouah, en plus, les transformations ça prend du temps. Sérieusement? Alors, est-ce que ça remonte à 2 minutes vu que j'ai battu au moins ou pas? Non.
Ça devrait le faire, mais bon. Donc j'y mets en difficile, j'aurais pas pu gagner, vraiment pas. Non. Putain, elle a sauté pour rien. Wouah. J'ai failli perdre à cause d'un saut à la con, quoi. C'était vraiment juste. En difficile, j'aurais pas gagné. J'aurais pas pu gagner en difficile. Hein. Je pense pas. Battez, point d'interrogation. Je me demande vraiment comment ça se passait, mais c'est un yo. Donc là, on va voir un peu ce que c'est. Et on a l'intérieur de Roshi sur le terrain de Yomi. Ça nous envoie à tous les ennemis contrôlés par des Yoma. D'accord. Ces boss, ils ont un vrai pattern, quoi. C'est sympa. C'est vrai que je les ai pas tués tellement rapidement à la normale que j'ai pas pu vraiment les observer. Mais ça, ça prouve vraiment, je le répète tout le temps, mais ça prouve vraiment qu'ils peuvent faire le 2 sur PS4. Je suis impatient de voir ça. Il perdait pas énormément de points de vie alors que j'étais en normal, hein, quand même. En difficile, ça doit être encore plus chiant.
chiant. Enfin, pas chiant, mais difficile, justement. Alors, les 5 filles d'Anzo. On va prendre Daidoji pour les combattre. On en est qu'à un quart d'heure, hein, donc si... Merde, je me suis mis en normal. Bon. Allons-y quand même, c'est pas grave. On va voir, justement. Ça fera... un test. Oh, elles ont toutes deux barres de vie après. Enfin, Ikaruga en a deux en tout cas. Je pensais avoir appuyé au bon moment. Mais... Le par le Brisegard qui passe bien. Oh, moi aussi, tant qu'on y est. C'est vraiment le seul moyen de la choper, lui faire un contre. Elle est vraiment assez chiante. Ah, je l'ai eu dans mon ulti. Elle arrive quand même à s'en échapper. Hein. Elle est casse-couille. Ibari. Alors attention à la paralysie avec elle.
Hop là. Alors, Katsuragi, elle est lente, mais puissante. Allez, transforme-toi. Faire un coup comme ça, même si je devrais plutôt les enchaîner en étant transformé. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. C'est bien avec cette attaque parce qu'elle fonce directement en fait sur l'ennemi. Alors, Yagyu. Je la laisse pas faire son attaque pour la faire redescendre. Je la laisse pas du tout me contrer. Je lui laisse aucune chance là. Bah voilà. J'en ai même pas eu besoin de ça en vrai. Allez, la dernière. On aura bien mis 10 minutes à les combattre, hein, donc je pense que les autres je les mettrai en facile, histoire d'aller vite. Ouh, elle a la vie verte, elle. Oh, la vie que je lui enlève. La vie que je lui ai enlevée en étant transformé.
Youpi. J'ai déjà dit ce que je pensais de cette technique. Bon. Allez, allons faire l'autre mission où on combat les 5, mais comme j'ai dit, je vais le mettre en facile, histoire d'aller plus rapidement. C'est pas comme si j'avais besoin du challenge. Je pourrais le faire moi-même, en fait, sur tout ça. Là, je présente juste le truc. Je le fais devant vous, vite fait. Puis, c'est pas comme si je pouvais le faire moi-même juste après, quoi. Pour moi tout seul, le temps, tranquillement, tout ça. Pourtant, vous savez bien avec mon niveau que j'y arriverai quand même en difficile, quoi. C'est pas non plus comme l'autre truc là contre la montre où oui, ça c'était certain que j'y serais pas arrivé, ça. À chaque fois qu'elle brille, je fais le con et je me protège. Au lieu de m'enfuir. J'ai pris trop l'habitude de faire les parades parfaites. Et sur les ultis, ça marche pas. Enfin, les spéciales et les ultis. Et toc. Alors elle, je ne devrais pas lui laisser le temps d'attaquer, non. Elle n'est pas assez rapide pour résister. À part si elle me fait un de ses coups, genre elle arrive à attaquer alors que je suis en train de m'attaquer. Avec sa résistance. Je reste transforme alors qu'elle est en l'air. Moi je dois attendre d'être par terre pour me transformer à chaque fois. Hop là. Tu es pas la seule à pouvoir disparaître, ma belle. Allez, transforme-toi.
Sérieux? Elle avait pas terminé son animation, du coup elle était invincible. Putain. Bon bah. Putain, ça c'est chiant ça. Ce personnage reste beaucoup trop longtemps en l'air. Enfin, il flotte trop facilement. Et là, je comprends l'intérêt du truc où on appuie sur croix pour redescendre. Vous voyez? Je m'en plains de ce truc, mais là, ça serait utile. Je me rends compte qu'entre facile et normal, il n'y a pas grande différence. Hein, à part si j'ai laissé en normal, mais... J'ai pas l'impression qu'il y ait une grande différence. Allez, au moins, amène-toi. J'étais encore en L2, je crois. Non, je sais plus. Mais je l'ai démonté, je lui ai même pas laissé le temps de se transformer en fait. Comme un con, je pensais pas que ça allait la démonter autre. Ça lui a enlevé les 3 barres de vie et j'aurais pu faire encore plus. Hein. Je pensais pas que j'allais la démonter aussi vite là. Et j'ai eu qu'un B à cause du temps écoulé, j'imagine. Ou de dégâts reçus aussi, parce que j'ai reçu un desquise de plein fouet. Donc bon. Et ben, ça s'est passé comme je l'avais dit. On en est après les combats des écoles. Donc, sur ce les amis, moi, je vous dis à tous, ciao à plus. Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour ces 3 niveaux-là. Je sens que Daidoji et Rin vont être à la vie bleue. Je sais pas pourquoi. Les filles de Hanzo, là, Omura, est à la vie verte. Je sens qu'elles vont avoir 1 ou 2 barres de vie en plus. Celle-là. On verra bien, mais en tout cas, je les mettrai en normal ou en difficile. Ça, je m'en priverai pas. Surtout que ce sera le dernier épisode sur l'émission libre. Allez, salut à tous!